RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes Urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. J'espère que vous avez toutes et tous passé un excellent été. Et pour prolonger cette vibe estivale, nous avons décidé de vous concocter une interview exclusive, une surprise et pas des moindres, avec l'une des légendes issues de la génération reggae, Bob Marley, Peter Tosh, Toots and the Maytals, Gregory Isaac. Si je vous dis que vous avez dansé et chanté sur bon nombre de ces titres tels que Reggae Night, tutututu, ou alors Many Rivers to Cross, You Can Get It If You Really Want, You Can Get It. Bon, j'arrête une dernière. Bon, allez, Melody, Tempo, Harmony. J'ai bien fait d'être journaliste, hein, je crois. On va faire place au vrai monsieur, au roi. Il va pas chanter, mais il va nous raconter plein de choses juste pour vous, la famille, le roi. Jimmy Cliff, coûte ça dans les Légendes Urbaines. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. I can see clear. Comment vas-tu? C'est un réel bonheur, un honneur, que dis-je, que de te recevoir voilà, à distance dans Légendes Urbaines. How are you? I'm very good, thank you. And hi to all your viewers and listeners. Je suis sûre que tout le monde est très très heureux de te voir et de t'entendre. Jimmy, où te trouves-tu actuellement? Parce que je sais que tu voyages un petit peu partout dans le monde, tu as plusieurs logements. Où te trouves-tu en ce moment? I'm in Jamaica right now, yes. Ok, donc en Jamaïque. Mais il me semble que tu as vécu notamment en Afrique et particulièrement au Sénégal. Est-ce que je me trompe? For a short period, yes. Ok, donc en fait, tu parles français et Wolof. Nagadef. Ah, Mangifirek. Ok. Donc là, tu es actuellement en Jamaïque. J'aimerais savoir comment se passe la situation sanitaire avec, avec le Covid en Jamaïque. Est-ce que les choses s'améliorent? Well, I can't say it's getting better because we're just coming out of a lockdown for 3 days. Mm-hmm. And today is the first day opening up again. Mm-hmm. So they're having some, you know, sprouts up. So that's why they do the lockdown, obviously. Mm-hmm. Donc là, voilà, vous sortez tout juste du confinement, longue période. Comment as-tu vécu cette période? Cette période, finalement, semble t'avoir inspiré, puisque tu en as profité pour écrire ton nouveau single, Human Touch. Comment as-tu vécu et as-tu été surproductif, surtout puisque là, tu as sorti un single le 6 août dernier, qui est en rapport justement avec la façon de communiquer lorsque l'on est en confinement et lorsque l'on ne peut pas voir ses proches à cause de la situation sanitaire. I think it's cool to stay connect with you on Skype. And actually, I think it's cool to stay connect with you on Skype, Jimmy. Yes, because the time is ripe. Mm-hmm. Really, I actually wrote the song about 2017. It was recorded 2017, so actually I wrote the song maybe 2016. I just finished a show in Tokyo, and I was backstage and I saw a piano there, and the feeling, the emotion was running through me, and I just wrote most of the song there and then. Mm-hmm. Mm-hmm.
Mais tu as décidé finalement de sortir cette chanson en pleine période de confinement, en l'occurrence en Jamaïque. Cette chanson dit que voilà, c'est tellement bon de rester connecté via Skype, via les réseaux sociaux, via WhatsApp. C'est quand même assez, assez formidable. C'est pour ça que tu as décidé de sortir ce titre-là à ce moment-là, même si tu l'avais fait avant. Well, what I'm actually saying in the song is how we are utilizing the technology that mm-hmm. exists today. For seeing, for hearing, for mm-hmm. touching, for feeling. Mm-hmm. But there is really nothing like the human touch. Mm-hmm. I'm talking to you now and it's really good. But to know you better, the best way would be to shake your hand. Et être ensemble en Jamaïque, évidemment, il n'y a rien de mieux, je pense. Mais ce titre est quelque part en même temps aussi un avertissement, et c'est bien parce que ça permet de conscientiser un petit peu la jeunesse qui finalement ne communique plus que comme ça. Yes, there's a part in the song that says, the more I'm connected to my cell phone, the more I'm disconnected from my home. And that's what's happened with most people. Mm-hmm. They are so connected with their mobile phone that they become disconnected with everyone else. For real. The new technology, mm-hmm. it's like everything else in life. Mm-hmm. The it's good part and it's not so good part. Mm-hmm. So like that, you know, in life you have the opposites. Est-ce que cet album, c'est un nouveau extrait, un nouvel extrait d'un album qui va arriver bientôt? Yes, it's the first single release of the new album. Mm-hmm. It was released on the 6th of August, which is Jamaican Independence Day. Mm-hmm. And the album will be released on the same 6th of August, but that is next year, which will be the 60th anniversary of Jamaican Independence. Pourquoi? Plus, it will be the 50th anniversary of the movie The Harder They Come. Quel anniversaire ce film Harder They Come qui a permis de faire connaître auprès du plus grand nombre en tant que comédien, puisque tu es aussi un grand acteur. Décider de sortir le 6 août, donc le jour de l'indépendance de la Jamaïque, ce single et l'album le 6 août prochain, est-ce qu'il y a une signification particulière? Est-ce que cette symbolique est importante pour toi? Quel est le lien en fait directement avec la sortie de cet album et de ce single, l'indépendance de la Jamaïque? Well, the 6th of August actually is, like I said, the anniversary of Jamaican independence. Sure. Mm-hmm. But it's also the anniversary of my start in recording music in Jamaica. Okay. Okay. Yes. Okay. Donc, j'imagine que parce que tout le monde connaît l'histoire, je pense, mais tu as quitté la campagne à l'âge de 13 ans pour aller à Kingston en bus pour pouvoir faire de la musique. Tu as réalisé ton premier single à l'âge de 14 ans. C'était un 6 août alors aussi? No, it was not the 6th of August, but I started my recording career 60 years ago. Mm-hmm. Cette année, c'est les 60 ans, tes 60 ans de carrière, 35 albums, évidemment des concerts partout dans le monde. C'est juste incroyable. Tu as gagné évidemment bon nombre de prix, dont un Grammy Awards en 2012 pour l'album Rebirth, album que j'aime énormément et dans lequel on retrouve notamment un titre qui s'appelle Afghanistan. J'imagine que ce qui se passe actuellement justement en Afghanistan et la victoire des talibans suscite énormément d'émotions en fait chez toi. Well, I am a person for peace. Mm-hmm. And that's what the world needs. But they need the love to go with it as well. So I always, you know, manifest in my music for peace. Mm-hmm. So yeah, that's what I do. Mm-hmm. Et tu le fais depuis le départ.
Il y a un titre Vietnam aussi qui est un titre extraordinaire. Tu as toujours su faire des titres engagés et en même temps en y mélangeant de la pop pour être très, très mainstream. Quelle est cette recette? Well, I try to go according to natural nature. Mm-hmm. Because natural nature is all about balance. Mm-hmm. But men and people, they try to disturb the balance of nature. But nature will always win. Because nature is the mother. Mm-hmm. This song, Human Touch, mm-hmm. what it's really about is, it's about touch. Mm-hmm. Because we are aware of five senses that we have. Mm-hmm. But when you boil it right down, it's only one sense that we have, mm-hmm. touch. Mm-hmm. Because to see, it has to touch. Mm-hmm. To taste, it has to touch. To feel, it has to touch. To hear, it has to touch. So they all touch a nerve in the body for us to realize that sense. So mm-hmm. it's really all about touch. Il y a tellement longtemps, Jimmy, que tu es dans ce business, on parlait de tes 60 ans de carrière, ce qui est juste incroyable et faramineux. Tu as toujours eu aussi ton business en vue avec Beverly Records. Quel serait le conseil que tu aurais à donner aux plus jeunes artistes qui se lancent dans l'industrie musicale, toi qui as fait une carrière mondiale et internationale? I think everyone has to be themselves. Mm-hmm. You have to be yourself. You evaluate what you're best at during your lifetime, whether you're young mm-hmm. or you're middle-aged or you're old, and you see what you're best at. And that's how you will find yourself, to be yourself. Once you are being yourself, that's when you're happy. It's very good because then you are in control of your artistry. Mm-hmm. You have creative control over what you do. And so not only the creative control, artistic control, but you control the economy. Mm-hmm. And you have to understand how to, you know, make deals with the larger companies. But it's amazing, c'est incroyable, finalement, puisque tu as arrêté l'école à 13 ans, donc tu es complètement autodidacte, et puis finalement, aujourd'hui, tu discutes avec les plus grandes majors au monde, et avec les tourneurs, les tour managers, et c'est toi qui gères complètement ton business, c'est impressionnant. Oh, I grew up in the country, mm-hmm. and in the country, they didn't have a bank, mm-hmm. so there was a post office. Mm-hmm. And so the post office was where we banked our money. And my father opened an account at the post office for me. So from an early age, I had an inclination about business, you know, mm-hmm. yeah. supply and demand. T'as presque tout fait, t'as fait des featuring avec la moitié de la planète, je ne sais pas dans quel pays tu n'as pas fait de concert, je pense que ce serait plus simple de dire dans quel pays tu n'as pas fait de concert. Which country you never play on live? There is one country that I have not played as yet, and that is China. Okay. So, of course, I do have a desire to play there. I hear that they love reggae, so that makes it even better. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, puisque tu as tout fait dans ta vie, tu as tellement fait de concerts, de choses, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi ton rêve? Well, in my life, I've set a lot of goals, mm-hmm. and I have achieved most of them. But there are some goals that I have yet to achieve, such as winning the Oscar. Donc le cinéma, c'est pas fini. So you didn't finish with the cinema? No, because acting was my first love. Mm-hmm. And I often think that I'm a better actor than singer. Et donc, tu écris du coup, t'es sur des séries, des films. There is a movie in the pipeline, mm-hmm. which we have been planning for the longest time. Mm-hmm. It is the sequel mm-hmm. to The Harder They Come. Okay.
Wow. Yes, so that is in the pipeline now. Wow, ça c'est la classe. C'est la classe. On peut pas. On attend ça avec impatience. Est-ce qu'il y a une date de sortie? Well, no, it's in the pipeline, and we are at the stage where we are looking at directors, the best director for a movie like that, and of course casting. Okay. You know, for female and male actors. It doesn't have to be only in Jamaica. We may also look in the UK and maybe in the US. Why? Because I have lived in both countries. And since the movie, I starred in the first one. The second, I'm playing the same character in the second one. So, you know, it might involve a part of my career, my life in both those countries. Great. Bon, ben on attend pour les Oscars alors et on a hâte de voir le film. Je rappelle que le single Human Touch est disponible partout. Titre formidable qui est un titre juste, qui rappelle à quel point effectivement c'est bien les réseaux sociaux, ça nous aide à plein d'endroits, cette connexion comme ça. Mais n'oublions pas de se toucher, n'oublions pas la proximité. Alors évidemment, gardons les distanciations sociales, bien évidemment, quand on pourra à nouveau se toucher. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous en train de se rendre compte de l'importance de pouvoir être... de pouvoir être connecté pour de vrai, en vrai vrai, non pas connecté à distance avec avec nos proches. On a un, avant de se quitter, on a un dernier rituel. On a un rituel, Jimmy, qui consiste à passer un message universel. Tu sais qu'on est suivi dans le monde entier par des millions de personnes. Quel serait le message universel que tu aurais à passer? What it is all about, the thing that is lacking most in the world today, is love. Because sometimes we have peace and we don't have love. We have love and we don't have peace. They go together. And that's what's missing in the world today. So let us try to care for each other. Let us try to support each other. That's acts of love. Effectivement, c'est, je pense, l'amour, c'est la seule clé et on n'aura de cesse que de le répéter. Jimmy, merci mille fois, mille fois, mille fois. J'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir dans les studios de Légendes Urbaines pour la sortie de ton prochain album, donc le 6 août prochain. Et puis pour le film, et puis pour célébrer ton Oscar, en tout cas. Et en attendant, bah, écoute, l'album, le single, pardon, Human Touch est disponible. Mille merci, un million de merci d'avoir accepté cet entretien à distance, voilà, en connexion avec la Jamaïque. On est ensemble, merci Jimmy. We're waiting for you. Blessed in Paris. One love. Blessed love. Yes Jimmy, mille merci. Blessed love. One love. La famille, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette légende du reggae. Que de sagesse, que de beaux messages de sa part, en espérant l'avoir dans les studios de Légendes Urbaines très prochainement. D'ici là, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue de l'émission. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love.